l'arcade, un endroit oublié de la cour de Campra. L'endroit où se passe le plus de méfaits. Attention, c'est l'endroit le plus éloigné des surveillants. Certains jouent au foot avec des balles de tennis. D'autres y travaillent sur leur tablette ou bien parlent pour profiter du seul espace un peu plus silencieux. Beaucoup se posent sur les arcades, tandis que d'autres vont chercher précipitamment leurs affaires au casier. À côté se trouve le terrain, l'endroit le plus bruyant. Certains vont donc se reposer dans ce petit paradis, loin de tout et de tout le monde. Certains y manigancent en bande, et d'autres se cachent, sûrement des surveillants ou pour un cache-cache. À côté, il y a aussi une porte vitrée menant à l'amphithéâtre. À l'autre bout, en face de cette porte, il y en a une autre, en bois, scellé, peint grossièrement. Certains essayent de l'ouvrir entre deux moments d'inattention. D'autres se posent juste la question, qu'y a-t-il derrière cette porte? Une salle secrète? Une sortie? Un hangar? Tant de questions pour un endroit mystérieux qui représente à merveille les arcades. Quand on est dans les arcades, on peut entendre chuchotements comme cris, rires comme pleurs, hurlements de joie comme des huées de désespoir. Entre émotion et anonymat, on pense vous avoir tout dit sur les arcades.